Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. De quelle génération êtes-vous? Nous avons tous déjà entendu parler des baby boomers de la génération X, Y ou encore Alpha. Le terme de génération n'arrive que très tardivement dans les sciences sociales. Souvent utilisé au niveau historique a posteriori pour signifier un mode de pensée et d'organisation face à des événements, le terme est aujourd'hui essentiellement utilisé au niveau entrepreneurial. Il permet de dégager une sous-population dont les membres ont à peu près le même âge et ayant vécu pendant une même époque historique. Tout d'abord, faisons un tour rapide des caractéristiques attribuées à chaque génération. Commençons par celle qui suit la génération silencieuse, celle des baby-boomers. Il s'agit d'individus nés à l'après-guerre entre 1943 et 1960. Comme son nom l'indique, cette génération bénéficie d'une augmentation des naissances en France, ainsi que d'une augmentation du nombre de mariages. C'est à l'époque une phase d'embellie économique où tout un pays est à reconstruire et où l'accès à l'emploi et à la propriété vont de pair. Selon l'INSEE, en 2010, le patrimoine immobilier des baby-boomers atteignait 219 100 euros. Cette génération dorée, comme elle est surnommée, se situe entre des parents qui ont connu la guerre et la génération suivante, appelée X, qui a connu le début des crises économiques, comme avec le krach pétrolier des années 70. Au niveau sociologique, ils sont perçus comme une génération ayant connu la montée des valeurs individualistes et comme réformateurs de la famille. Si la reconstruction est difficile, ils vont cependant rapidement bénéficier des Trente Glorieuses et de l'émergence de la société de consommation dont ils seront les principaux bénéficiaires. Dans les années 1960, devenus jeunes, ils souhaiteront s'émanciper de cette autorité par les mœurs, voire par des mouvements contestataires, d'autant plus faciles qu'ils n'ont pas de problème pour entrer dans la vie active. La modification de la famille va ainsi entrer à l'œuvre par l'accès à la contraception, puis à l'avortement et l'entrée des femmes sur le marché du travail. Depuis les années 1970, on assiste à une pluralité de formes familiales. L'individualisation n'a pas affaibli la famille, mais les baby-boomers ont établi d'autres liens avec leurs enfants, basés sur l'épanouissement et l'autonomie de chaque génération. Leurs enfants sont connus sous la génération X. Née entre 1960 et 1979, cette période connaît une forte croissance scientifique, mais également le plein emploi des parents qui laissent seuls les enfants à la maison, les rendant très indépendants. Les années 70 et 80 voient la plupart des mariages terminés par un divorce, d'où un nombre croissant de familles monoparentales. Cette génération suit le modèle consumériste des parents avec l'achat d'une maison et d'une voiture et l'accès aux loisirs. Ils lisent les journaux, écoutent la radio et passent déjà un certain temps devant la télévision. Travaillant tôt, c'est une génération qui prône la liberté et la responsabilité tout en refusant l'autorité. Le mot d'ordre est « autosuffisance ». Considérés par les sociologues comme une génération hybride, ils n'ont pas connu dans leur enfance l'informatique ou encore le téléphone portable, pourtant ils ont su rapidement s'adapter aux changements technologiques. Leur mentalité reflète la transition des entreprises manufacturières vers les entreprises de services. Cette génération se situe dans un moment de déclin social, mais aussi de mondialisation de l'économie et de déclin de l'impérialisme colonial. Elle a été parmi les plus sévèrement touchées par les mutations économiques et sociales des années 1980 et des années 1990, où il était plus difficile de trouver des emplois stables et bien rémunérés, alors que la valeur des diplômes semblait régulièrement diminuer. Cette génération est nomade, ce qui explique le goût de l'aventure, le cynisme et la contre-culture qui s'oppose aux baby-boomers. La génération X semble avoir été supplantée dans l'intérêt des entreprises par la génération Y, et peut-être parfois présentés comme son adversaire. Leurs enfants, la génération Y, se caractérise par les 4 I.
individualiste, inventif, interconnecté et impatient. Appelée également milléniale, elle débuterait en 1984 et se terminerait en 1996. Ils ont vécu l'introduction massive de l'informatique grand public, puis l'arrivée d'Internet. Le jeu vidéo est pour eux un divertissement banal, au contraire de la génération X pour laquelle il était encore parfois perçu comme marginal. Ils sont nés avec les débuts de l'intérêt du grand public pour l'écologisme, qui était précédemment l'affaire d'une minorité. Ils ne placent pas le travail au premier plan, mais plutôt la santé mentale et physique. Ils recherchent une meilleure qualité de vie. Ainsi, ils souhaitent concilier travail et intérêts personnels. Ils refusent de travailler durant les fêtes et week-ends et voudraient des congés pour décompresser et des horaires plus flexibles. Ils exigent de la liberté et de l'autonomie. Ils pensent à court terme et sont très mobiles. 83% des jeunes entre 19 et 25 ans possèdent un compte Facebook, dont la plupart l'utilisent pour consommer des informations et non pas en créer. Cette génération se déplace facilement, elle a profité de la baisse des coûts du transport aérien et des facilités offertes par la voiture et les transports en commun. Les milléniaux, en tant que génération, font beaucoup appel aux services de consommation collaborative, comme le covoiturage, l'hébergement entre particuliers ou encore l'achat d'occasion. Leurs enfants, la génération Z, définie par 4 C, communication, collaboration, connexion et créativité, et la génération des personnes nées entre 1997 et 2010. Les communications numériques déjà bien installées dans la société, la génération Z se définit par ses relations au travers de plateformes virtuelles plutôt que par ses relations réelles. Utopistes et peu dociles, ils exigent une nouvelle gestion entrepreneuriale. Et pour terminer, la génération Alpha, née entre 2010 et ce jusqu'à 2025, la génération Alpha passera la plupart de ses années de développement complètement immergée dans la technologie numérique. Les enfants de cette génération s'ennuient rapidement. Cela est dû au fait qu'ils sont habitués à utiliser plusieurs écrans et à numériser rapidement les informations pour trouver ce qu'ils veulent. Aux États-Unis, 92% des enfants de moins de 2 ans ont déjà une trace numérique. Enfants de la technologie, ils sont nés en même temps qu'Instagram et ses influenceurs, que l'iPad et les applis. Les derniers membres de la génération Alpha naîtront en même temps que le métavers de Facebook, un univers de réalité virtuelle plus vrai que nature, ou encore dans un monde d'intelligence artificielle comme ChatGPT. Au Canada, les enfants de 3 à 4 ans passent déjà 2 heures par jour devant un écran. Cela peut perturber le rythme de sommeil, retarder le développement cognitif et développer des comportements addictifs. Tolérance, pluralité d'opinion, d'orientation sexuelle, neutralité du genre ou encore sensibilité écologique, voilà ce qui les caractérise. Ayant accès à une mine d'informations gratuitement, ils ne peuvent plus accepter l'autorité arbitraire d'un professeur. Voici approximativement l'information qui circule sur les différentes générations qui se sont succédées depuis l'après-guerre. Même si certaines données semblent logiques et évolutives, il est impératif d'émettre des objections. Tout d'abord, sur la scientificité des éléments qui est plus que discutable et sur le danger que représente une uniformisation des générations, donnant ainsi un caractère normatif sans remise en cause possible. La généralisation des caractéristiques générationnelles s'apparente aujourd'hui à une production et à une diffusion de stéréotypes pouvant induire des comportements autoréalisateurs. Puisque les gens de ma génération sont ainsi, alors je dois m'y conformer. C'est l'effet Pygmalion. Les attentes du recruteur peuvent déterminer le comportement du candidat, qui cherchera à se conformer aux stéréotypes. Essentiellement utilisé dans le monde du travail pour le management et le recrutement, ce type de portrait est d'autant plus dangereux car il présuppose que les entreprises doivent s'adapter aux comportements, comme les comportements doivent s'adapter en retour aux changements dans l'entreprise. Au XIXe siècle, le positivisme d'Auguste Comte, philosophe et sociologue français, met en relation le rythme du progrès social avec le générationnel, engendrant une conception statique et collective de l'identité, induite par un renouvellement démographique des sociétés fermées. Ainsi, la définition du terme « génération » est si vaste que le sociologue allemand Karl Mannheim a développé 3 concepts pour le caractériser. La situation de génération, l'ensemble générationnel et l'unité de génération.
La situation de génération comme la situation de classe est caractérisée par l'appartenance des personnes concernées à un espace historique et social qui, en circonscrivant le champ du possible, laisse apparaître des tendances spécifiques. L'ensemble générationnel est le lien réel entre les individus se trouvant dans une même situation générationnelle, participant donc à un destin commun. Et l'unité de génération, enfin, est un lien plus concret, par exemple celui d'un groupe qui s'approprie différemment les expériences communes à l'ensemble générationnel. S'il est ainsi difficile d'identifier une génération à une époque historique, avec ses aspects politiques, sociaux, économiques, technologiques, alors pourquoi user et abuser de ce terme, sinon dans le cadre d'une production idéologique ou symbolique spécifique? Pour conclure, même si des caractéristiques nous sont spécifiques par rapport à notre génération, nous sommes tous uniques et avons tous la capacité d'apporter des réponses différentes aux enjeux qui nous entourent. Nous n'avons pas à nous laisser manipuler par des stéréotypes qui définiraient qui nous sommes. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça. Quoi, Green? Oui. Green, comment? Oh, super Green. Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des Green, tu vois? Mais tu vois le Green, absolument. Green.